Non, mais salue pas, toi. Femme, homme à sa femme, quoi. Va là-bas. Toi, c'est ta femme qui te contrôle. Tu nous as foutu la honte, quoi. Tu parles de Dieu. Ouais, mais oui. Non, comment, dis-moi, comment expliquer? Tu es avec tes potes, avec tes amis, en train de prendre un verre. Ta femme, elle débarque, elle te prend par force. Genre que tu vas aller laver les assiettes et les habits. Même si on est amoureux de sa femme, mon frère, pas jusqu'à ses points. Il faut être comme moi, mon frère. Il faut être comme moi. Un vrai homme comme moi, là. Moi, une femme peut monter chez moi. Moi, je suis avec mes potes et une femme me dit non, va à la maison, tu vas laver les assiettes et puis tu vas aussi, tu laves les assiettes. Quoi. En fait, la femme doit être soumise. Tu comprends? La femme ne peut pas, c'est-à-dire, dépasser les bornes. Mais on partage la maison quand même. Non, tu partages la maison. On ne sait plus chez toi qui est femme, qui est homme, frère. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe chez toi? Non, on ne sait plus qui est femme, qui est homme. Chez moi, moi, je contrôle ma femme. Non, quand même. Moi, la femme, je la contrôle. Moi, la femme ne parle pas. Mais qu'est-ce qui se passe avec madame? Madame, moi, je la contrôle. Elle est là, c'est ma femme, quoi, tu penses quoi? Qui contrôle qui? D'ailleurs, même, je lui ai donné une semaine. Elle ne va pas sortir. Même pour aller voir sa famille, elle ne va pas aller voir. Ma femme, moi, je la contrôle. Hé, hey, chérie, ça va? Chérie, quoi? Hey, tout à l'heure, j'ai même eu de toi. Toi, tu peux pas me prendre comme ça. Toi, tu parles de moi comme ça. Non, je ne parle pas de tu toi. Tu m'entends plus. Non. Toi, je parle de tes gens. Toi, tu parles de moi. Ça va pas. Tu m'as fait des problèmes là. La nuit là, tu vois.